الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. ربنا اهدنا وسهل طريقنا إليك، واللهم اجعلنا في معراج بين يديك، وبارك لنا في كل أحوالنا يا حنان المنان يا كريم يا صاحب الإحسان. أما بعد، السلام عليكم. بونسوار. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage de la Bible concernant Nabal pour attirer votre attention sur la mauvaise fin des gens qui persistent dans le mal. Abigail arriva auprès de Nabal. Abigail, c'est l'épouse de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement bon ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel Dieu frappe Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel Dieu qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyé vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Mais aussitôt, Abigail partit monter sur un âne et accompagner les saintes jeunes filles. Elle suivit le messager David et elle devint sa femme. David avait ainsi pris Ashinoam de Jirzel et toutes les deux furent ses femmes, et Saoul avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palphi de Galilien, fils de Lachish. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.